Salut à tous, on se retrouve pour la suite du Let's Play de Final Fantasy X-2 sur PlayStation 3. Merci à tous de suivre ce Let's Play. Merci également à Shadow, comme toujours, de l'avoir proposé. Alors, où en étions-nous? Nous en étions à Kilika. Je pense que c'est la fin du premier acte. De mémoire, il me semble qu'on devait voler une sphère. En fait, il y a une sphère qui a été trouvée. Et vu que nous sommes des sphères hunters, nous allons essayer de la récupérer. Oh putain, il y avait un truc avec Grimper et je sais plus quoi là. Oh là 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 là, je me rappelle plus. Bon, allez, on va essayer de se débrouiller. Alors, quand ils sont 4, je crois que c'est Grimper. Je me rappelle plus. Juste. Que vous savez, vous devez donner le mot de passe. C'est Grimper ou Monteur? Grimper? Ouf! Ça va. Donc Grimper père, Monteur impair. Je vous promets que je m'en souvenais plus. Hein. Ouais. Ouais, donc du coup, on va essayer d'atteindre le temple de Kilika, hein, là où on avait pu récupérer Ifrit dans le premier Final Fantasy X. Donc là, ils sont trois, il faut faire gaffe parce qu'à un moment, je crois qu'il y en a un qui descend. Alors, Monteur. Voilà. Hey, il me file même un objet. C'est sympa, ça. Alors, mot de passe. Donc là, on dirait qu'ils sont 3, 2, mais en fait, ils sont 4. Voyez. Grimper, du coup. C'est bon, allez-y. Ok. Wow, tu tires pas dessus, donc putain, j'ai passé 3 barrages et tu me tires dessus au 4ème. Le mot de passe. Monteur, c'est bon. Bon, là, il commence à c'est un peu abusé quand même. Hein. Ça va. Oula. Toujours monteur. Ouais, ça me sait. C'est bon. Créature abyssale. Bon, c'était pas très compliqué. Et donc là, je crois que le boss. Non, c'était pas. Je me rappelle plus du nom. Ouais, c'était une plante. Et là, je sais pas s'il va y avoir un boss. Shut up. Just give us the sphere and we'll be on our way. I don't know what you're talking about. Hey, I found the sphere. There you have it. What's that? Ah, c'est bien. I had a little something prepared for just such an occasion. Nice knowing you. En fait, je me dis que c'était une plante, mais c'est pas une plante, c'est une squame de cime. Qui ressemblait beaucoup à une plante. Bon, bref, c'est pas important. Du coup, j'avais sauvegardé juste avant le boss et je m'en doutais. Hein. Rare de finir un acte sans boss. Allez, on va voir. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. Je vais essayer de le faire là. Alors, prière, attaquer, échanger. Voilà. Donc là, je vous fais en live la démonstration de Zankyo. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et après, je vous expliquerai comment faire pour l'obtenir. Donc là, vous voyez que j'ai transformé Pain en tireuse. Si la scène cinématique voudrait s'arrêter. Et ensuite, vous voyez que la barre est bleue. Donc, vous faites R1. Et là, vous avez Zankyo. Je vous expliquerai après comment ça marche. Mais au moins, je vous aurai montré une fois. Donc là, c'est l'attaque, c'est la tenue spéciale de Pain. Hein. C'est un peu tout et n'importe quoi. Hein. Je veux dire que le combat est tellement rapide, quoi. Spiritualité. Si tu veux. Ça va. Bon.
Bataille de Titan. Apparemment, je crois que je vais pas pouvoir perdre. À moins d'une catastrophe. J'essaye de ne plus tout vous montrer. Oh, jamais il meurt. Ah voilà. Putain, il était là, mon verre. J'ai appris conjuration. Oh, on a même gagné un trophée. Voilà, Zankyo ou Zangyo, quelque chose comme ça. C'est la tenue spéciale de Pain que vous pouvez récupérer auprès de Trommel dans la forêt de Macalania. Donc avant de vous faire toute la description, je vous laisse regarder la fin de cet acte tranquillement. Just what do you think you're doing? Actually, we're sphere hunters. So? Going, let's go! Sorry, Donna, the sphere is ours. Tough luck. Fin de l'acte, hein. Ah, du coup, les deux autres, ils prennent pas d'expérience. Ok. Ils ont quand même joué, hein. Ça, je savais pas. Ça, je savais plus. Albatros a obtenu un chapitre de l'histoire d'une famille. Gagné piège SP. Ouais, je le garde. Ouais, je le garde. Je le garde. Je save. On va sauvegarder sur notre bloc. Oh là, donc pas celui-là. C'est celui-là. Hop. Alors, on va voir un peu comment va s'amorcer l'acte 2. Bon, le boss n'était pas dur, j'aurais pu même le battre sans la vétisphère spéciale de... Enfin, la transformation spéciale de Pain. Mais c'était pour vous montrer, hein, puisque là, encore une fois, le jeu, on va pas le faire à 100%, mais j'essaye de vous montrer le plus de choses possible. Quoi. Did you see their faces? They totally wet their pants! Maybe we overdid it. Overdid it? There is no such thing! The Gold Wings shall be notorious throughout Sphera! They weren't all that happy. Huh? Don't forget that notoriety can be a bad thing. So what? I want to have fun! Just make sure you don't do anything to land us in hot water, okay? Aww! Where's the fun in being plain old regular Sphere Hunters? Yahoo! What she said! Oh no. What? Whenever Riku and brother agree, bad stuff happens. That can't be good. Mis de fou, hein? Ah ouais. Alors. Oula, mais qu'est-ce qu'il faut? Il court dans le vaisseau là-bas? Un crafté ou quoi?
Bon, on va le voir comme ça. On va faire ça. On peut... Ouais, voilà. Alors, donc, la palette. C'est une palette ou c'est... Ouais. Alors, ce qu'il faut faire pour obtenir Zankyo, c'est... tout... J'essaie de vous l'expliquer clairement, mais j'ai du mal à me le dire moi-même. En fait, il faut que vous ayez utilisé toutes les jobs qui sont sur une vétisphère, sur une palette, pardon, excusez-moi. Déjà que c'est compliqué, si en plus je vous dis n'importe quoi. Donc, les palettes, vous en avez plusieurs. Vous voyez, voilà, ok. Dessus, vous attribuez les jobs. Jusque là, ok. Et pour certains personnages, quand vous obtenez leur... Ah, c'est bien Zankyo. Quand vous obtenez leur compétence, enfin leur job secret, on va dire, parce qu'il me semble que c'est un truc secret. Ah bon, c'est pas exceptionnel. Mais... HP x2. Voilà. Donc quand vous arrivez à obtenir donc le job spécial de votre personnage, si vous arrivez à utiliser tous les jobs de votre palette, eh ben vous avez la possibilité de vous transformer en votre job spécial. Donc en gros, si j'en ai 6, il faut que je fasse les 6. Et une fois que vous avez fait les 6, je vous parle de mémoire, hein, une fois que vous avez fait les 6, vous pouvez utiliser le job spécial de votre personnage. Donc, pour faciliter la transformation dans le job spécial, le mieux, c'est d'utiliser cette palette Détermination, où il n'y en a que 2. Ah ben voilà, de base, permet d'équiper rapidement les tenues spéciales. Ah, c'est écrit. Donc, vous mettez deux jobs dessus. Forcément, vous allez être sur un sur deux. Vous transformez... vous changez de job pendant le combat. Donc, ça va utiliser les deux. Et après, vous aurez la possibilité de mettre le job spécial à Pain. Bon, je sais pas trop si j'ai été clair, mais en même temps que je vous parlais, j'ai essayé de me rappeler comment il fallait faire. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, ben, Pain est beaucoup plus forte. Voilà, bon, c'était la petite explication. Alors, ce qu'on va faire, parce que j'ai pas joué moi depuis la dernière fois. Ouais, bon, si jamais vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de vous expliquer mieux, parce que là, j'avoue que c'était un peu... une explication un peu de fou, mais... Allez, on va la mettre en tireuse. Voilà. Mais voilà, en gros, sachez que sur les palettes, vous attribuez les jobs. Quand vous avez utilisé tous les jobs d'une palette dans le même combat, vous avez la possibilité de d'avoir le job spécial pour votre personnage. Donc, Cell Pain, pour le moment, peut se transformer en Super Pain, si vous voulez, parce que j'ai Zankyo. Donc, Zankyo, de mémoire, on l'a eu en parlant plusieurs fois à Trommel, au lac Macalania. Dans l'acte 1, hein. Bon, forcément, on vient à peine d'arriver dans l'acte 2. Alors, ce qu'on va faire... On va déjà arrêter de les faire courir. It's just a regular movie sphere. It doesn't appear to have any special functions. You wanna take a look? Et on va regarder la vidéo sphère. N'oubliez pas qu'il faut les regarder pour prendre du pourcentage. Et... Si c'est pas Tidus, un gros gros hein. You know, you're all I can count on to save Len.
Freddy Spearhead Machina. Any ideas? Not a one. But as Machina go, it looks extremely dangerous. Definitely a weapon. Uni! It's him! Is it you? Or does he just look like you? Etu mega trecuprana. And who's this Len? Call Wings! Front and center! Y a quand même deux choses marrantes hein, quand vous regardez cette sphère. Hein. La première chose, c'est que la personne qui se trouve sur cette sphère, que ce soit Tidus ou pas, elle est habillée exactement pareil que Tidus. Avec tous les habits qu'il y a dans le monde, elle est habillée exactement comme Tidus. Bon, même couleur de cheveux, il y a tout qui est pareil. Hein. Mais c'est le hasard. Ah, c'est le hasard. Et la deuxième chose qui est marrante, c'est qu'on trouve une sphère complètement au hasard dans le monde. Akilika, parce qu'elle a été découverte à Akilika. Et comme par hasard, quand vous regardez cette sphère, ça parle de la personne qui ressemble à Tidus. Ça parle de Tidus, quoi. Parce qu'on va dire que, admettons que ce soit Tidus. Donc, elle a quand même de la chance, Yuna. La seule sphère qu'elle trouve, c'est la sphère où il y a accessoirement Tidus dessus. Oh, elle a de la chance quand même. Non, parce que ça aurait pu être une sphère où tu vois un lac, où tu vois deux chevaux courir, où tu vois un champ, je ne sais rien, moi, n'importe quoi. Non, non, là, c'est Tidus. Quelle chance. En fait, alors, bon, c'est pas une critique, hein, mais c'est rigolo, quoi. Elle va trouver une sphère au fin fond d'un volcan sous une pierre à l'opposé de la carte où il n'y a personne qui y va depuis 3000 ans. Et quand elle prend, elle met la sphère, ça parle de Tidus quoi. C'est vraiment un truc de fou quand même. Enfin bon, c'est parce que c'est incroyable. Hein. Quelle chance quand même. Alors, donc on a obtenu encore un manuel Albed. Hein. Rappelons qu'elle a perdu tous les manuels entre FF10-1 et FF10-2. Donc il faut les récupérer pour comprendre ce qu'il raconte. So, let's give back that sphere. What do you say? But we worked so hard to get it. That thing is uber bad news. What if we donated the sphere to the study of Sphere's history? That's what being a sphere hunter was originally about, right? It's a little late to be bringing that up. Yeah, we already swiped it. Well, I still don't want it. We're giving it back. Now! You don't mind? I've seen it. It's still pretty shameless to saunter up and give back the sphere we just stole. We bashiat! Our reputation is all but worthless if we do that. Our leaders too, no less. Redeem! Bon. Well, now this isn't any fun at all. I really gotta let off some steam. What do you got in mind? Why don't we ask Yuna to dance? Dance? Oh, that's it! You must dance. Our sanity depends on it. That sounds like an order, Yuna. The exercise will do us good. Whoopee! Hang tight while I go get ready. Ouais, bon, du coup, elle a failli danser. Surprenant. Frangin a ramassé des drôles de chips pendant notre escale à Akilika. Je suppose que vous les faire bosser gratuitement un peu comme notre barman. C'est un escroc, ce frangin. Le frère et la sœur sont encore tombés d'accord, on peut craindre le pire. Bon, alors. Du coup.
Just some chikers I picked up. They're a colorful bunch. Tant mieux, parce que je savais pas trop où il fallait aller. Hein. Bon, on va se refaire toutes les villes. Hein. Alors déjà, on va aller... donc là, c'est la télé, on va aller dans la salle des machines. Alors, salle des machines... Normalement, à chaque acte, ils remettent les coffres. Voilà. Super, bon, c'est pas... C'est exceptionnel, mais bon. Bon, ça, hein. C'est les potions. J'en ai plus de 99. Allez, ça, c'est bon. Je sais plus ce qu'il y a en bas. Ah, voilà. Ouais, c'est quand le... Quand la porte est ouverte, que l'on peut sortir. Ok, bon, ça c'est fait. Ouais, les cabines. En fait, j'aimerais parler aux autostoppeurs. Bon, vous allez vite les reconnaître. Alors, ah ben voilà, ils sont là. Il est gentil, étranger. Il m'a donné un balai et une serpillière. Voilà. C'est formidable, ces vaisseaux qui volent dans les airs. C'est Frangin qui nous a pris à bord à tous les cas. Vous voulez qu'on vous joue un petit air pour vous remercier? Faut pas tomber... La musique, c'est notre rayon. Si vous pouviez nous pousser jusque dans l'élévateur, ça serait gentil. Le mal. Allez. Je rentre, putain. Voilà. Ok, troisième. Voilà, allez. Ce soir, vous allez pouvoir danser tout votre sous. Le spectacle commence. Bon. Vivement que ce soit fini, cette histoire de danse, qu'on puisse... explorer un peu les villes. Ouais, ils se sont fait un concert au-dessus de la mer. Ils ont dit, allez, c'est bon, on va fêter le vol de la sœur. Et accessoirement, ils veulent rendre. Apparemment, Yuna a oublié les paroles. Bon, c'est surprenant, hein, mais en fait, vous allez voir que quelque chose préoccupe vraiment Yuna. Voilà. Why am I so mad? Who the heck is Len? I'm going to go to bed. C'est sympa, c'est sympa. Bon, elle est jalouse, hein.
Elle voit quelqu'un qui ressemble à Tidus parler d'une autre fille que elle. What? It must have been a dream. A dream's a dream. Blame it on your new jammies. Bon, en tout cas, superbe scène, hein, même si pour le moment on n'en comprend pas le sens et que ben, ce n'est qu'un rêve, hein, mais vraiment une superbe scène. Très belle. Très belle. N'oublions pas que cette scène était sur PlayStation 2, hein, quand même. Oh. Je crois qu'on peut descendre, non pas là. Donc, ouais, très très belle scène. Mais bon, de toute manière, Square Enix, les scènes cinématiques en général, elles sont magnifiques. Hein. Que ce soit graphisme ou scènes cinématiques, Square Enix, ils sont toujours. Toujours très forts pour ça. C'est un peu sa dette et puis j'achète des objets. Alors, toi... Putain, tu vends les mêmes choses que l'autre. Vous faites concurrence ou quoi? What can I do? Sleep? Alors, pourquoi je fais un somme? Parce que de mémoire, il faut faire un somme à chaque acte. Alors, je sais même plus si je l'ai fait dans le premier acte. Mais bon, ça fait gagner genre 0,1%. Bon, je le fais maintenant puisque j'y pense. Mais voilà... penser à faire une somme à chaque acte. Après il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas faire, hein. Éponger la dette de Waka de combien elle est, 10 000, 100 000, welcome to Waka, voilà, 100 000, j'aurais jamais 100 000, et je crois que c'est à la fin de l'acte 3 ou un truc comme ça, je les aurais jamais, c'est impossible. Donc voilà, je vous montre tout. Après c'est vrai qu'il y a des choses que je pourrais pas faire parce que c'est trop long et qu'au final c'est pour gagner genre 1%, même pas 1%, 0,2 ou 3. Comme j'aurai jamais les 100%, c'est pas indispensable. Alors on va retourner au cockpit et on va refaire. Ah ouais, alors là il va falloir rapporter la sphère. Alors je sais pas à qui. Je vais voir un peu. Merde, je vais pas sauvegarder. C'est l'habitude. De m'approcher d'une sphère, de me soigner. What's up? Oh. Returning the sphere is all well and good, but who do we return it to? With the Youth League and New Yevon, it's a lose-lose situation. What do you think, Yuna? I'll follow your orders, leader. Aha!
As leader, I order Yuna to decide. Hey, that's cheating. Where to? Alors, what? New Yevon. Well, it's got Yevon in its name. Enough said. But the Youth League is reckless. They're the ones picking the fight. Well? Well? Bah, je les aime pas trop, moi, les Yevon, hein, donc... Je sais plus à qui il faut leur rendre, hein. Il me semble bien que... Ouais, voilà. C'est soit... C'est chez nous, on est... Ah ouais, voilà, ok. Je cherchais la flèche sur les destinations, je me voyais pas. Donner la sphère à la Ligue. La Ligue des Jeunes est une organisation récente qui compte beaucoup d'agités. Vous croyez qu'on peut leur faire confiance? Donner la sphère à Neo Yevon. Neo Yevon n'est qu'un ramassis de conservateurs, rien que leur nom me rappelle trop mauvais souvenir. En tant que quand même... Non, non, Ligue des Jeunes. Allez. En route. Let's go with it. En tout cas, on a fini le premier acte à 27%. Pas trop mal quand même, hein, 27%. Voilà, alors après, c'est vers la fin que le pourcentage ils sont durs à monter. Hein. Ah putain, c'est fou. Alors du coup, on n'a pas fait grand chose. Putain, 30 minutes de jeu déjà. I wonder why. You're the High Summoner, remember? Who throws a welcome party for the people who ripped them off? Today, Mick. Today, Mick. For of course, a little mixer. Go, Wings, go! La 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 la! Go, Wings, fight! La 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 la! We'd like to give you the sphere that you were looking for. Now that you have this, you can stop the fighting in Killica. How generous. And how sudden. Maybe you should start by introducing yourself, High Summoner. We're the Gullwings! I see. Sphere hunters. In that case, I gratefully accept the sphere you have brought. On behalf of the Youth League, I thank you. Everyone, three cheers for the Gullwings. Gullwings! 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 So, did you watch it? Hmm? The sphere. Well, you see, We did. Oh boy. Forget. I'm afraid I cannot. Yuna, don't let him push you around. Some advice. That thing, the Colossus you saw, is known as Vegnagun. It possesses overwhelming destructive power. It must not be touched. Yet those Yevon fools think they can control it. The Youth League will do whatever it takes to make sure they do not get a chance to try. Trust me, you don't want to get involved. Tell me, who was the man I saw in the sphere? I cannot say. I see. Hey, we got a distress signal from the Celsius. Gullwings, we're leaving! Wow.
Ah, on est rappelé au vaisseau. Donc, cette grosse machine qui aurait une puissance dévastatrice s'appellerait le Veinagen. Intermuders! Anything missing? Still investigating? It's official. We've been burgled. The broken sphere from the Xanarkand ruins is missing. Looks like the burglar left us a present. Who's on top now, Dull Wings? It'll be a thousand years before you can take on the mighty LeBlanc. Ah, sa chambre. Il faut qu'on prenne notre revanche, nous aussi. Hein. Oui. She got us. Oh, poop. Yuna, don't talk like that. I'm just copying you. That's nice. And? We're gonna take it back. No one messes with us. And what about Veinagen? I didn't want to get too involved. Not like when I was a summoner. We're forgetting who we are. We're spear hunters, the Gullwings. That's right! We steal back what is stolen. It is the law of the spear hunter. Now we go to Chateau LeBlanc. The attack, the name of honor. Get a honey's kick in the name of honor. Maybe we can sneak in disguise. That's it, Yuna, you're brilliant. So we have to fly around till we find LeBlanc's gang. Beat them up and steal their uniforms. Three of them. Bon. Nouvelle mission. LeBlanc a volé une sphère appartenant aux Albatros, mais ça va pas se passer comme ça. Trouvez des tenues de LeBlanchette pour pouvoir vous introduire dans le repère de LeBlanc. Ok. Alors, ok, il va falloir où je vais les trouver ces tenues. Une bonne question. Je sais pas. Alors, on va voir s'il nous impose de faire la mission maintenant. Ou si on peut, au final, faire tranquille. Putain, on va voir. La saison de la chasse, voilà, ok, le blanchette est ouverte. Alors, merde, pas toi. Pas la moindre information concernant les uniformes. Bon, bah ça m'aide pas beaucoup. Hein. Si vous voulez vous infiltrer au château de LeBlanc, il va falloir se faire tout Spira pour trouver des LeBlanchettes et leur piquer trois uniformes à vos tailles. Ok. Bon, inutile de vous dire que cette mission, on ne pourra pas la faire de suite puisque, bah, vous avez compris, il nous faut récupérer trois tenues. Donc, bah, c'est ce qu'on va essayer de faire, mais pas de suite. On va refaire les... Ouais. Alors, franchement, je sais plus où on les récupère. Est-ce qu'on les récupère... est-ce qu'on a récupère dans les autres villes? Je sais pas. Donc, on va faire les villes les unes après les autres et on verra un petit peu ce qui se passera. Alors, on retourne à l'île de Bezaïd, l'envoyé de la Ligue. Il paraît qu'un chip envoyé par la Ligue des Jeunes fait suivre un entraînement de folie au Bezaïd Rock. Vous voulez aller jeter un coup d'œil? Oh, on y va. So you gave the sphere to the Youth League, yeah? Yeah, we knew you were on our side. What do you mean? The Bezaïd Orcs have all joined the Youth League.
Well, officially at least. And Walker hasn't joined up yet. Can't blame him, yeah? His kid's popping out any minute, you know. Now's not the time for him to be fussing around with politics. Fussing, you say? Who's he? I am Becklem. I've been dispatched to Besaid by Youth League headquarters. I'm here to pound some fight into these pathetic slackers. He's 100 times stricter than Waka. You must be awfully confident in your strength if you're skipping training just to flap your lips like that. So, I guess you won't mind showing me what you're all really made of, then. Oh, no way. He's talking about. What do we do now? Is no one among you man enough to break my record? You're pathetic. Okay, he's creeping me out. Seriously. See you later, Yuna. Stop that at once! The age of temples and prayers is over. It's about time you let go of those musty old traditions. There's no need to bow down to summoners either. Yes, summoners are a thing of the past. Hold it right there! Whose calm do you think this is, Buster? There are no more Aeons to summon. Summoners are worthless now. You will take those words back. I will. If you succeed in proving your worth to me. Well, what do you say? Bon, bah, on a accueilli à chaud. Arriver à la plage avant la fin du temps limite en abattant le maximum de monstres. Je m'en rappelle un peu de ça. Allez, c'est parti. Ouais, tu t'aurais simplifié. Viser. Changer. Oh là là. Viser la cible la plus proche, changer de cible. Elle est en R1, changer de munition, je crois que tu as rien. Bon. Écoutez, on va la faire. On verra ce qui se passe par là. Now, begin! Allez. Mais je me rappelais qu'il y avait un truc comme ça, mais je me rappelle plus trop ce qui, comment ça marche là. Je me rappelle l'avoir fait plusieurs fois ça. Bon, nous on va le faire. Ouais, enfin, je sais pas, j'aimerais bien réussir la mission quand même. Ah putain, il faut charger. Comment on fait déjà? J'arrive pas à tirer. De 0, je peux pas en faire. Il y a quelque chose que j'ai dû rater là. Alors, on peut pas, je peux pas tirer. J'ai oublié de faire quelque chose. Bon. Ah bah attendez, si je perds, peut-être que. Allez, tue-moi. Ok. Alors, on va essayer. Ah voilà. Ok, en fait j'avais pas pris les balles. Voilà, en fait faut à chaque fois attendre qu'il il est mort. Ah, je savais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas là. C'est bon.
on pourra ramasser le sang, je crois que je vais faire. Compliqué. En fait, vous avez plusieurs types de balles. Vous avez les balles simples, les balles doubles et les balles fatales. Donc les balles fatales, idéal pour tuer un ennemi qui a un bloc de vie, comme lui là, qui arrive. Voilà. Bon là, j'ai pas bien joué, hein, mais. J'arrive à 500, on va essayer, hein. Ça se fait, hein. Et là, je pense pas trop là, mais je suis concentré. J'ai 500 points encore. C'est galère, hein. J'espère qu'il y en a un autre qui arrive. Ah voilà, là il y en a un autre. J'ai plus de balles normales. Ok. Oh là là là, que c'est passionnant. Bon. De... Ah merde, le corps s'est disparu. 226. Ah, ça sent pas bon, mais bon. Croisez les doigts, c'est jamais. Ouf. Allez, des ennemis là. Allez, envoie-moi des ennemis là. Bon, après ça se laisse faire, hein. C'est pas désagréable à faire. Hein. Bon là, ça va être vraiment chaud.
Allez, on peut les faire les 500. Vous voyez qu'il y a un oiseau là, je sais pas combien il rapporte. Un zoo. Ah, là ils sont deux. Allez, on va commencer à y aller tranquillement. Allez, allez, allez. 35 secondes pour rejoindre la plage. Fatal maintenant. J'ai 10 secondes, tu vas voir que je vais faire comme ça. C'est horrible là. Ah, je vais faire comme ça. Ah oh, putain, je l'ai oublié lui aussi. Bon. Donne-moi une dernière chance. Allez, cette fois-ci on y arrive. Bon, désolé, hein, je suis désolé, mais là j'avoue que je. J'ai mis trop de temps. Ah, cette fois-ci, on va y arriver. Alors, je sais pas si c'est 400 ou 500 qu'il faut avoir. Mais bon. Alors, il faut absolument que je parte et qu'il reste une minute au compteur. Comment ça va? Ouais, je serais content d'avoir des balles fatales là. Bon, en plus, il faudra absolument que j'en garde une de balles fatales parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a un sacré bébé qui m'attend hein, avant d'arriver à la plage. Ah, balles fatales, bien. Et les doubles, nickel. J'ai bien gardé un peu des balles fatales, mais c'est moins que tout à l'heure. C'est bon. Allez, 139. Maintenant qu'on a appris le coup, hein, ça... à moins d'une erreur, sinon... Ah voilà, j'avais déjà, tout à l'heure, ils apparaissaient plus souvent à deux là.
recette. Toujours pas vu, hein. Allez, 2 minutes 40, faut que je garde. Bon, je suis à 410, là on devrait y arriver à 500. Je pense que c'est 500. Allez, on va commencer à se rapprocher de la sortie. Alors, là, combien il nous rapporte lui? Ah oh, ouais, 30 il rapporte quand même. Hein. Ben, là, j'arrive à partir. Ah, me dis pas qu'il m'a touché là. Ah, les escrocs. Je me suis fait toucher. Bon enfant, j'espère que c'était bien. Bon, remarque, j'ai 600 maintenant. Allez, j'ai fini en fatal. Ah là 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 là. Bon, j'ai 600, du moins que ça suffit. Hein. Encore 500, bref. Nickel. Take that. Skill you may have, but I find it hard to believe you defeated Sin. You obviously had some help. I did, from my friends. My pilgrimage was successful because my friends and the Aeons supported me along the way, and they still do. Memories of the time we spent together make me strong. I won't stand here and let you call that strength useless. Must your kind always prattle on about your precious memories? He's got some nerve. Sore loser. Bon, en tout cas, on a réussi notre mission. Mission complète. Gagner un prix pour être passé au niveau 2. Talisman mystique. Bon, je me rappelle que je m'étais amusé à en faire pas mal, moi. Bon, ben on aura fini l'île de Bezeïd. C'est bien. Bon, il n'y avait rien de spécial à faire. Hein. C'est ça, c'est... Ouais, genre, je me souviens plus, hein, mais... Oh, le pourcentage, il a dû augmenter quand même, là. T'as combien? Ouf. Ok, c'est lui. On est à... 29%. Bon, bah nickel. Voilà. Doucement, doucement, on va finir par... pas arriver proche de 100%. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous plaira, que vous avez passé un bon moment. Bon, elle aura duré une heure, hein, malheureusement. C'est dû à ce mini-jeu que je ne me souvenais plus trop comment ça fonctionnait. Et puis, ben voilà, ça y est, c'est revenu. On a accompli la mission. Et dans la prochaine vidéo, on fera les autres régions, les autres villes, à la recherche de précieux pourcentages, et puis bah, à la recherche également des missions. Sachant que notre mission principale, c'est de trouver 3 uniformes de Le Blanchette pour pouvoir s'infiltrer dans le QG des Leblanc. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Shadow. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, je ne la fais pas durer plus longtemps. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao.